La sanguinaire du Canada est une des premières plantes à fleurir au printemps. Elle porte des feuilles lobées et des fleurs de 8 à 16 pétales d'un blanc immaculé. Elle pousse dans les érablières riches. Ses feuilles et son rhizome contiennent un latex rouge sang utilisé autrefois comme médicament pour les troubles pulmonaires. C'est toutefois une plante très toxique et son âcreté dissuade généralement même les plus aventureux.